Alaykoum les gens, Bassem Vénitieux 692. Je suis heureux, on va parler football. Je vous présente le nouveau maillot du Bosnawa. Ou de la Zimbabwe. Ah non, c'est le maillot du... Ah ouais, c'est le maillot du Maroc. Ah ouais, ouais. Non, aucun problème. On a des noirs maghrébins, nous. Bien sûr. Attendez, les gars. On a des noirs maghrébins chez nous. Par contre, les noirs blancs, ça n'existe pas. Comme je me répète à part Griezmann. Je pense qu'il faut arrêter de déconner, de nous prendre pour des cons avec ces pubs dignes du Troisième Reich. Dans tous les pays maghrébins, toutes les publicités, c'est tout le temps pareil. Et beaucoup de ces gens qui veulent voir le Maghreb détruit, hein, n'ayons pas peur des mots, vont te prendre en otage en te disant « Comment ça, il y a bien des Maghrébins noirs ?» Oui, je sais, mais à vous écouter, il n'y a que ça. Dans vos publicités, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Allez, prenons un exemple. Je sais pas quand c'est le Nigeria qui présente ses maillots. Je vois pas de métis ou de blanc ou de... Alors, bien sûr, les gars, vous allez me dire, c'est un débat futile. Pour les métissophiles, c'est un débat futile. Mais je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. On a compris votre plan. Vous voulez métisser tout le monde. Bon, ça, on le sait. Même un aveugle, il le voit. Mais s'il vous plaît, essayez de faire des pubs qui ressemblent au pays maghrébin. Alors certes, il y a des noirs au Maghreb, mais il y a aussi des robeux. À croire que nous, les berbères, les maghrébins, on joue plus au football. Et on joue plus au football. Tout ça, c'est de la stratégie mondialiste, tout simplement wokiste. Et les Renois, ils ont rien demandé, hein. C'est pas eux qui ont dit. Ils ont rien demandé, par contre, ici, on pose pas. Moi, je sais que d'autres communautés, tu les aurais mis dans des pubs, rien à voir, ils seront montés au créneau. Eux, ils n'ont pas choisi ça, mais ils ne s'opposent pas. Allez, vas-y. Non, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Et c'est dégueulasse. Ouais, vous allez me dire, ouais, mais regarde l'équipe de France. Regarde les pubs de l'équipe de France. Bah, l'équipe de France, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix de mettre des Renois. Elle n'a pas le choix de mettre... Parce que peut-être qu'ils sont meilleurs au football. C'est tout, tout simplement. Et ça n'a rien à voir avec ça. Parce que croyez-moi, si en France, on avait des joueurs du calibre de Kylian ou de Blanc, mais wallah, ils ne seront pas gênés pour les mettre. Et les mettre en tête de gondole. Mais nous, non. Au Maghreb, nous, on a des superstars. Au Maghreb, on a des gens qui jouent bien au football. Qui représentent bien les pays. Mais non. On va nous chercher. Voilà. Non. Nous, non. C'est tout simplement, c'est un programme diabolique et métissophile, mesdames et messieurs. Et ils veulent le Maghreb. Par Allah, ils veulent qu'il n'y a plus aucun berbère au Maghreb. C'est moi qui vous le dis. Allez, Rabbi Ma'ana, j'ai envie de vous dire. Et t'as rien le Maghreb.